congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya et Bélé, Totombola Bendele et Ambo Kanabiso. Dans pratiquement deux mois, le tronçon situé au quartier Ndosho sur la route nationale numéro 2, axe nord-apostolique, station Simba, va être asphalté. Le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a procédé officiellement ce lundi 9 octobre 2023 au lancement des travaux de réhabilitation. L'état de siège rime avec le développement, a indiqué le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Un kilomètre de la route est concerné par cet asphaltage d'une largeur de 7 mètres. Peter Chirimwami précise que c'est pour soulager tant soit peu la souffrance qu'endure la population. Une priorité pour l'autorité qui voudrait laisser ses empreintes en province avec l'appui des notables du Nord Kivu qui l'accompagnent dans sa mission. Le chef de l'état a dit, l'état de siège, ce n'est pas seulement la paix, rétablir l'autorité de l'État, mais aussi le développement. C'est le message que je donne à la population pour leur dire que je suis là aussi pour le développement. On a besoin de l'accompagnement de la population, car même les grands stratèges du monde n'ont jamais réussi une mission sans l'accompagnement de la population. Nous avons ici un kilomètre qui est totalement délabré, parce que les autres parties sont en bon état. On m'apprend même qu'il y a eu beaucoup de cas d'avortement qui se font à cause de ces délabrements. Et je pense que désormais, nous avons la solution. La population a exprimé son soulagement de voir les travaux démarrer. Notons que ces travaux sont financés par le gouvernement militaire du Nord Kivu et exécutés par l'entreprise Mangabaon. Peu après la cérémonie, le général-major Peter Chirimwami est allé au chevet de malades internés à l'hôpital militaire du camp Katindo avec une assistance. Nous qui sommes tout l'état au front, nous nous blessons, nous mourons. Et lorsque un ami est blessé, il faut le visiter pour un réconfort moral. Donc si je suis passé visiter les blessés, c'est pour les réconforter. J'ai acheté des produits pharmaceutiques pour leurs soins. Il y a des vivres, ils vont commencer à manger 3 fois par jour et nous les souhaitons la guérison le plus vite que possible parce que même si nous sommes dans une situation de trêve, nous devons nous relever tous pour aller reconquérir la partie sous occupation. Le cortège du gouverneur ad intérim a pris la direction de Kabati, située à une cinquantaine de kilomètres de Goma, pour inspecter les positions avancées des éléments FARDC, prêts à contrer l'ennemi en cas d'éventuelles attaques. Le général-major Peter Chirimwami a exhorté la population déplacée de Kibati de regagner leur milieu car l'autorité de l'État est restaurée dans cette partie du Nord Kivu. Ce que nous disons à la population, c'est que nous continuons à la sécuriser.
Nous voulons que ceux qui sont dans le cas de la de déplacés rentrent. Parce que dans le cas des déplacés, il n'y a pas de vie. Nous sommes au mois de septembre. L'école a repris. Il faut que la population rentre. Surtout pour ce qui est de ce côté-ci. On ne voudrait pas que nos populations continuent à souffrir dans les camps de déplacés. L'ennemi, il est là. La force loyaliste est là. C'est que l'ennemi ne va pas rester là-bas. Nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population parce que c'est l'une de nos missions. Les habitants de Kibati ont jeté des fleurs à l'endroit de l'autorité provinciale car le calvaire leur imposé par les terroristes du M23 est fini. Oui, avec les phares de scène, nous sommes tellement contents. Parce qu'auparavant, quand on était ici, on est arrivé ici, il n'y avait pas les FARDC, mais aujourd'hui, en tout cas, ça va un peu. Le commandant des opérations et gouverneur ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Tirimwami, était accompagné de tous les commandants des grandes unités engagées sur différents axes. Le séjour à Uvira de la délégation conduite par les commandants de la 3e zone de défense est riche en activités. Pour ce lundi 9 octobre 2023, le lieutenant-général Mbang Machita Marcel a présidé une réunion de commandement à l'état-major du secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Sud Kivu. Au cours de cette réunion, un débriefing était fait, mais aussi des instructions sur la suppression des barrières sur la route Uvira physique. Collaboration entre l'armée et les autres services de l'État, l'amour et la tolérance entre les hommes en uniforme étaient donnés d'un ton ferme. En outre, le commandant de la 3e zone de défense est allé présenter ses civilités au maire de la ville d'Uvira, M. Kiza Mouatou, dans son cabinet de travail. La situation sécuritaire dans l'ensemble du territoire étaient au menu de leurs échanges. Tout après la présentation des civilités, les commandants de la 3e zone de défense et de sa suite ont visité les dépôts d'armement du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu, où plusieurs matériels sont entreposés. Enfin, la visite au port de Vira était l'étape finale des activités du commandant 3e zone de défense en cette date du 9 octobre 2023. À ses côtés, le commandant de la 33e région militaire qui l'accompagne dans cette mission a pris place dans le canon rapide des forces armées de la République démocratique du Congo pour en apprécier le confort. Des explications étaient données par les utilisateurs tant sur son fonctionnement, son utilisation et les difficultés rencontrées par les éléments de la force navale d'Uvira. Dans ces missions légaliennes d'un commandant des groupements des centres d'instruction et d'entraînement des FARDC, le général de brigade Mputela Nkolito Bertin a présenté sa satisfaction après une descente mercredi 4 octobre 2023 au centre d'entraînement de Kambaouma. Une équipe mixte de la ministère de la Défense nationale, de l'état-major général et celle de l'enseignement supérieur et universitaire ont été reçues par le commandant 31e région militaire ce lundi 9 octobre 2023 dans son bureau à l'état-major 31e région militaire. C'est le colonel Saddam Moudjouina, chef de mission, et M. Camille Paloukou, conseiller des ministres de l'issue, sont venus présenter au général-major Moujingamis Timothée le but de leur mission, de visiter les sites où seraient internés les étudiants des différentes structures universitaires de la Tchopo qui seront en formation paramilitaire. Après les avoir écoutés, le commandant région les a donné de bonnes orientations avant d'aller présenter leur civilité au commandant de tous les centres de formation des FARDC, le général de brigade Mputela Nkolito Bertin, qui les a rassurés de les accompagner. Au centre d'instruction Lukusa,
le commandant centre a d'intérim le colonel Kate Mbokaïn de Joseph, la délégation à Madagascar, où elle est soumise à une visite guidée, dortoir, fontaine d'eau, latrine et cuisine. Le docteur de l'université de Kisangani à d'intérim, le professeur Yuakali, le professeur docteur ingénieur Meniko, secrétaire général académique de l'IFA Yangambi, ont été dans la délégation. Partout où la délégation est passée, a fait une photo des familles. La délégation franco-congolaise, conduite par le général de brigade Ignace Ngoï Ndombe, commandant second du groupement d'école supérieure militaire, Jezman Sigle, est arrivée dans la base militaire de Kitona pour une mission allant du 2 au 4 octobre 2023 dans le but d'organiser les épreuves de jury de la 6e promotion des stagiaires du cours de base et d'état-major de Kitona. Une école dirigée par les colonels diplômés d'état-major Makengo Kibala Hippolyte. En tant que commandant second du groupement des écoles supérieures militaires, nous nous occupons de faire un suivi sur l'enseignement qui se donne dans les écoles supérieures militaires et entre autres le cours de base d'état-major qui se donne ici dans la base de Kitona. Et à ce titre, nous sommes venus en délégation qui organise le jury de fin de session ou de la 6e promotion du cours de base d'état-major et juste de superviseur. À ce niveau, je ne peux pas vous donner des précisions ou répondre d'une manière tranchante à votre question. Mais vous savez que lorsqu'on forme des candidats à certaines matières, il y en a qui les assimilent correctement, convenablement et totalement, et il y en a qui les assimilent plus ou moins, tout comme il y en a qui manifestent aucune capacité d'assimilation. D'où nous sommes en train d'effectuer une évaluation qui va nous amener à un tri à la fin duquel nous saurons qui a réussi valablement cette formation, qui est dans la tranche moyenne et qui n'a pas réussi la formation. L'Association des épouses militaires en sigle AM a lancé ce samedi 30 septembre 2023 les projets de formation à coupe et couture. Le projet Yekola Lelopona Lobby est destiné à l'encadrement des dépendants des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo en vue de leur autonomisation. La cérémonie de lancement a été présidée par Liliane Mbemba, épouse du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, dans l'amphithéâtre Tianzhou du Collège des hautes études de stratégie et de défense sur l'avenir des forces armées communes de la Gombe. Dans son mot de circonstance, Madame Bonebana Denise Isharingonza, vice-présidente de l'association, a au nom de Madame Nathalie Tiwewe, présidente de l'association des épouses des militaires empêchés, insister sur les objectifs de l'association, ses réalisations, ensuite inciter les membres de cette association à l'unité, à la connaissance de leurs droits et obligations d'épouse et de mère. Elle les a exhortés à l'amour du travail pour leur autonomie. L'association des épouses de militaires, AM à sigle, ne pouvait s'y soustraire parce qu'elle a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des et leurs dépendants à travers le programme d'apprentissage de métiers. Depuis son existence, l'association de secours de militaires a déjà eu à réaliser quelques projets et activités du fonds propre, notamment la construction des latrines séparées, filles et garçons, à l'école maternelle au camp Okolo, la distribution de nourriture, puis aux enfants, la distribution des tôles aux sinistrés du camp de l'eau. Et aujourd'hui, nous lançons le projet de formation en coupe et couture avec un effectif de 24 apprenants. Formation qui va durer de 3 mois.
À titre symbolique et d'encouragement, Liliane Mbemba a remis des pagnes à l'association. À l'issue de cette cérémonie, voici les réalisations du général-major Kisenzo Thomas, représentant du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, de la représentante de Madame ministre d'Injar, Famille et Enfants, et de Madame générale Monia Mpara. Les armées sont engagées dans les opérations, à savoir l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, qui mènent les opérations sur le sol congolais. Et nous avons multiplié des rencontres à chaque phase opérationnelle pour évaluer ces phases. Et il faut dire que c'est un accord, toutes ces réunions, sur le mémorandum bilatéral d'entente et aussi avec les statuts d'accord de force, ce qu'on appelle tout simplement SOFA. Et les deux armées ont signé ces accords pour travailler ensemble et traquer l'ennemi commun qui est les terroristes dans la République démocratique du Congo et aussi sur le sol ougandais. Vous vous rappellerez que le 30 août dernier, les deux chefs d'état-major généraux de l'armée FARDC et UDF se sont rencontrés à Kampala et ont discuté sur le volet de la troisième phase et comment harmoniser la quatrième phase. Et aujourd'hui, ceux qui sont engagés dans les opérations, c'est-à-dire les trois parties, le secteur opérationnel Ituri, le secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord à Beni, et aussi l'armée ougandaise, UPDF, se sont rencontrés depuis le 27 septembre et aujourd'hui le 29, 48 heures, pour mettre en musique les résolutions prises par la hiérarchie de deux armées. Nous sommes ici pour discuter ensemble, mettre ensemble des stratégies, ce qui a marché pendant la troisième phase, ce qui n'a pas marché, pour entamer ainsi la quatrième phase des opérations militaires sur le sol congolais. Mais il faut dire que toutes les deux parties se sont mises d'accord pour continuer les opérations sur le sol congolais et traquer aussi les ADF qui sont à Ouganda et surtout les collaborateurs de cette force terroriste. Donc nous sommes mis d'accord et nous pensons que les opérations vont continuer avec l'appui de nos deux peuples sur la bénédiction bien sûr des deux présidents, à savoir Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Nous sommes dans la cité de Port-Fontaine, dans la République sœur de l'Ouganda.
Les militaires reconditionnés au centre de formation de Paul Malebo de Maluku ont été conduits à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, pour combattre la milice Mobondo et instaurer la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays. Ces militaires ont été acheminés sur place par le général-major Ilunga Peko Edmond, chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements de la force terrestre. Au cours de sa causerie morale réalisée à Kenge, le général-major a appelé ses militaires envoyés en appui à la 11e région militaire à mériter la confiance placée en eux par la hiérarchie et à intérioriser la devise des FRDC « Ne jamais trahir les Congos ». FRDC, notre devise « Ne jamais trahir les Congos ». Notre devise « Ne jamais trahir les Congos ». Notre devise « Ne jamais trahir les Congos ». Toyeawa, pona yaliboso, kubakisela bino bokasi na bandeko na biso oyo mampinga oyo bazalaki na entraînement na Paul Malebo na Kinshasa. Yami balé, toyeba ndenge nini pe makambo ezoleka koto. Toyebi ke tozali na 11e région militaire. 11e région militaire, tozali na kati ya mwa kokoso muke na bandeko oyo bazwaka bazwi ba calibre 12, bazwi ba mususu ba manduki pona kubebisa Kimia, pona kobuka kimia, pona kotia désordre na bamboka na biso ya ba territoire moko ya province ezala Kwango, ezala Mai Ndombe, ezala ya Kinshasa, même ndambo pe ya Kwilu. Mosala na biso kolandela na mission oyo l'état pesi biso ezali ya kokengela mboka ndele nango kobate la population na kosalisa po mboka etombwa na ndenge ankita ezala pe protection de la population de ses biens. Wana eza mission liboso police mais biso toko kosunga bango ko salisa pona économique ndi liboso le développement socio-économique culturel ainsi de suite toye na bandeko oyo boye awa na miso a commandant région o toko tika la bino na maboko toko tika bino liso na maboko na toye bisa ki deja kuna boko tika la maboko na e boye awa parce que bolingi Congo toyokani est-ce que za bongo. Sur place, un état-major commandement a été constitué et présenté au chef d'état-major adjoint de la force terrestre. Ce dernier a aussi pris part au briefing présenté par le commandant de la 11e région militaire, le général-major Padiri Mokizi Jonas. Des commandants de la région Nabino, Bozana commandant bataillon, Tozoko et Bokoma régiment dans peu de jours, et vous allez régiment ou Monaka commandant régiment Nabino. Sur son chemin de retour, le général Ilunga Peko s'est incliné devant les tombes de certains militaires tombés sur les champs d'honneur à Bokangalozo et a rencontré les chefs du groupement Teke à Mongata. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele, totombola bendele ya mboka na biso.